Jodi a sous chaîne nan c'est fête parce que recette nous va le faire son recette en pile monde pour me dire tout monde t'attend parce que seafood ou bien fruits de mer c'est bagaille tout monde remet tout haïtien remet. Jodi a nous va le faire recette américaine, des bons recettes haïtiennes liées, mais nous allons faire la haïtienne bien sûr, mais son recette américaine liée. Il est seafood barrel. C'est un gros plat de fruits de mer, comme un paquet de fruits de mer là-dedans. Moi-même, comme mes cuisiniers rebelles, moi, m'a fait un petit crasse différent. M'a vraiment fait un seafood parce que m'a metté le maximum de fruits de mer. Américains n'ont pas metté autant. Par exemple, Américains n'ont pas metté calamar là-dedans. Américains n'ont pas metté bâton de mer là-dedans. Un seafood qui est le bâton de mer. Américains n'ont pas metté moule ou bien huître là-dedans. Vous comprenez? Moi-même, m'a pas ajouté toute ça là-dedans. Donc, nous allons faire un plat extraordinaire. Donc c'est un plat qui en général vend cher. Donc il y a un peu de monde qui toujours hésité choisir dans le restaurant. Ben nous pas le café la caille, nous on a pas acheté ingrédients, on a coûté moins comme longtemps et puis toute famille a qu'à jouir. Donc nous pas le simplifier toute bagarre qui compliqué nous connaît sous chaîne, nous simplifier. Donc restez branchés, gardez recette jusqu'à la fin. Il m'a tout profiter dit mon yo monde qui gardait 2-3 minutes dans vidéo et puis qui a posé une question, me répond déjà dans vidéo, me pas répondre, me répond, me lit 100% comment qui fait commentaire qui fait en bas vidéo. Mais supposez mon question, me parler de lui déjà dans vidéo parce que vous regardez petit commencement seulement pas garder faire, me pas répondre. OK? Donc gardez vidéo jusqu'à la fin pour qu'on connaisse et comprendre recette ça. Et pas oublier chaîne ça a besoin de support, on a remercié tout le monde qui commence à faire ça déjà. Que pile monde qui a voyé mon inscrit, continuez à faire ça. L'air ou a voyé mon yo dit mon yo c'est un tel qui voyé parce que bientôt a gagné récompense pour tout le monde qui supporte chaîne. Et on a remercié tout le monde qui c'est membre chaîne ça qui souscrit, ça veut dire qui paye un petit monnaie, un petit cob chaque mois pour aider chaîne là grandir. Tout ça nous demande ba nous demandons des matériel yo, mettez lien pour nous dans la description yo, n'a pas acheter matériel yo tout et gen moun qui voye photo, qui voye dim, y acheter tel matériel. Bravo parce qu'on a besoin matériel yo, on a besoin outils yo pour faire. Sinon, il pas facile pour. Par exemple, Maggi en poudre là, sou pa gen yon food processor pa ka fè. Blender pas fait pour faire travail food processor, sinon on va bouler blender. Donc, on va pas l'empile, gen moun qui dit m'pa l'empile. Mais il y a des gens qui m'ont demandé pour me balancer là tout. On a regardé ensemble les ingrédients qu'on a besoin pour nous faire seafood bowl. C'est tout ce qu'on a besoin pour faire seafood boil. On a commencé avec fruits de mer. Là, en rose et blanc, il y a le bâton de mer. C'est un fruit de mer et qu'on a besoin d'acheter dans le supermarché. Ça, c'est ça nous en Haïti. Et huîtres, c'est des huîtres. Et c'est en français, il y a le tout moule. On a utilisé 3 œufs tout. Ça n'a gardé là qui fait en forme rouen qui est un coup des anoa, c'est lié au les calamars là. Calamars là encore sont l'autre fruit de mer. On va bien acheter dans supermarché. Normalement recette ça fait avec crabe royal ou bien king crab, mais nous pas gagne king crab là, c'est crabe ordinaire nous gagne. Donc on a utilisé pied, pincette, crabe normal nous gagne. Sous besoin qu'on comment pour nettoyer et préparer crabe ou abjoindre ni nan chaîne sous chaîne ça. N'a utilisé maïs vert. Fait ça n'a gardé la ces feuilles céleri ensemble bâton céleri que nous va utiliser, mais là encore là li optionnel, c'est sauvelet même si en fonction de groupe pam qui va mettre là dedans, mais on pas obligé mettre.
Là, nous avons deux langoustes. Si vous n'avez pas de langoustes, vous pouvez utiliser lobster ou bien homard. Si vous avez besoin de comment pour préparer, nettoyer langoustes ou bien homard, vous pouvez utiliser la chaîne. Nous avons utilisé crevette. Et pour crevette la tour, nous avons montré comment pour préparer, nettoyer la chaîne, ça vous pouvez. Nous même avons utilisé Maggi que nous avons fait. Ça c'est Maggi en poudre que nous avons fait. Donc nous pouvons utiliser un canne saisonine, etc. qui est un produit chimique là-dedans. C'est ça que nous avons fait en utiliser. Si vous avez besoin comment pour faire propre Maggi pour en poudre, vous pouvez venir sur chaîne ça. Là, c'est des moules. Tout à l'heure, nous avons montré moules qui n'ont pas de coquillage là-dedans. Là, nous avons avec coquillage. Ça c'est pour faire bébel, n'a pas utilisé un moule avec coquillage. Recette ça a utilisé un pile paprika. Là nous gagnons 2 cuillères paprika. Paprika c'est piment douce en poudre. Recette seafood bar là c'est une recette qui est très épicée. Il utilise un pile épices là-dedans. Américain tabzo c'est un plat qui gagne un pile flavor. Donc ça fait à côté de Maggi nous t'es fait. N'a pas gagné un paquet de l'autre épice n'a pas utilisé. Là, nous avons deux tiquillés l'ail avec un tiquillé moutarde en poudre. Là, nous avons un tiquillé piment cayenne, un tiquillé poivre en poudre, un tiquillé et piment. Dans la recette, ça a utilisé un pile l'ail. Ça fait nous gagner toute l'ail à yon. Nous allons les réduire, mouler yon dans un food processeur noir. N'a besoin de pommes de terre tout, là n'a 5 pommes de terre. N'a utilisé oignons, là n'a 2 oignons moyens, persil, basilic frais. Là c'est moi qui ajoute le pour obligé mettre. N'a recette ça n'a pas utilisé l'huile du tout, c'est beurre n'a utilisé en place l'huile là. Là n'a 2 bâtons beurre. Nous on a mis qui pas tellement négocié ça, n'a utilisé un saucisson ou bien un sausage, je dis en anglais là. N'a utilisé vegetable chopper que n'a déjà fait un cadeau. N'a pas utilisé tout food processeur. Voilà, c'est ensemble ingrédients sa yo avec matière sa yo. Nous pas l'utiliser pour nous faire seafood bar là. Jeudi à tout le monde attendi, eh ben vous serez servi. Bon, mais n'a pas commencé par préparaison yo nous yo. N'a coupé yo en petit dé avec un vegetable chopper. Gen moun ki dim déjà y achetil. Donc, pour nous dire que la vie nous change. Parce que les outils ça ils changent la vie. Ok, je vais mettre le lien dans la description si vous avez besoin d'acheter une. Comme si vous la vie n'a pas changé. Nous allons aller vite. Puis, ingrédients nous yo a bien plus bon traitement. Ok, et mes verres là. Ok, nous finissons avec ça. Kounia, nous allons préparer l'ail. Encore un outil pour faire nous aller bien rapide. L'ail, ça nous besoin de fin. Eh bien, on va juste mettre le dans le food processeur là. Pour couvrir. Et puis bâton. Quoi même si une blende fini. Allez-y et puis les live vous nous en mettant ça d'après. OK? Et ben nous va le mettre rapidement beurre. Mettre un bâton entier. Non chaud direct tape chaud. OK? Pas mettre chaud et du feu à 3 haut parce que c'est fond besoin fond de beurre fond lentement. Là là le fond avec gros du feu là, vient tant qu'on baille le brûler. OK? Donc lentement. Feu doux. Premier bagage n'a mettre, n'a mettre en quantité l'ail. Songez, nous sommes dit là tout à l'heure, c'est un plat très épicé qui a un pile flavor. J'en dis en anglais. Donc, mettez en quantité lime qui te reste là pour pita. Après ça, on va le faire avec le pita. Mettez moitié dans un de découpé là.
qui va équivaler aux oignons. On fait revenir les oignons. On ne peut pas quitter le bouquin nébou le cuit, non? On les fait revenir seulement. Ok. Quand il y a là que oignon nous yo translucide, on a commencé à mettre épices. On a commencé avec paprika. On a mis à peu près moitié là. Quand on balle dans le gendarme, ça n'a pas tellement fait pour Timoun parce qu'il faut le très épicé. Là, on mettait moitié dans piment cayenne. Moitié dans poivre. Moitié dans l'ail. Moitié dans piment en grain ça. Je t'ai dit en anglais un piment qui chopin. Moitié nan la moutarde noire. Et puis on va mettre de l'eau. Je t'ai dit en français, on va mouiller presque au bord. N'a quitté sa bouillie là, l'elle fin bouillie, n'a mettez sel et puis on va commencer à mettre ingrédients. Pendant bouillon noir sous du feu là, on commence à préparer éléments. Pommes de terre, on a coupé comme ça. On peut couper en deux, mais on fait 4. Alors, on te lave les pommes de terre là avant. Il y a deux pommes de terre cuites déjà. C'est ton graisse pomme de terre qui est cuite pour l'autre manger. Donc, on a découpé quand même. Mais on ne peut pas mettre yo, parce qu'il est cuite déjà. On va aller seulement dans la dernière étape là. Peut-être que ce n'est pas aussi bon que ça ne va le faire là. Yo. Ok, on a préparé Marie Nougounia. Mayo, on a juste coupé. On a découpé le céleri. Et les feuilles, on va émincer. On va aussi émincer les feuilles de basilic. On fait au fond point comme ça avant. Après ça, nous découper. Nous allons couper le saucisson noir. C'est un gros morceau. Sauf que bam, vous comprenez. Les Américains mettent des saucissons non plat de fruits de mer comme ça, ensemble à eux. Bon, les Américains, ils sont vraiment pas des Français. Hein? Ils mélangent n'importe quoi. Bon, c'est pour respecter mon petit crasse. Oui, cette plaque fait météo, mais sinon, je vois pas l'idée de mettre des saucisses dans un plat de fruits de mer. Moi, c'est moi, c'est des fruits. Ah non! Ok, de l'eau bouillie qu'on y a là, nous allons mettre Maggi. Maggi en poudre que nous-mêmes nous avons fait. Après, nous allons goûter pour nous connaître quelle quantité de sel pour nous mettre. Nous mettons yon qui est sel. La mettez demi. C'est celle-là, mais
mettez gros sel. N'a commencé par mettre pommes de terre en vent. Pommes de terre après environ 10 à 12 minutes pour cuite. N'a mettez céleri yo. Céleri a c'est pour goût. Basilic là tout. Toujours c'est pour goût, pour parfum tout. Bon, nous même en Haïti nous utilisons basilic pour nous laver caisellement. Mais basilic c'est un bon, un gros aromate. Nous mettons maillot qu'on y a. Là, les n'a fait place à fond bien chronométrer, sinon il risque de gâter dans main. Son j'aime de dire c'est 10 minutes pour maïa ni pomme de terre. Tout fruit de mer nous gen là, c'est des bagailles qui cuit, qui prend entre 3 maximum 5 minutes pour cuite. Et naptan et avant 10 minutes l'arrivée, l'arrivée 5 minutes, nous allons commencer à mettre fruit de mer. Pomme de terre maïa gagné 3 minutes depuis y a cuite là, on en a ajouté et saucisse. Sausage en anglais. Bon, si vous avez gagné, vous pouvez toujours utiliser hot dog. Ok? Dans 2 minutes encore, nous allons ajouter, commencer à ajouter food mer. 5 minutes l'arrivée, pendant que nous avons cuit, à bouilli, à côté à là, nous allons commencer à ajouter food mer. Là, nous allons mettre pour commencer pain scrabio. Alors, j'en ai dit là, recette ça fait avec crabe royal. C'est dit gros pain scrabe, mais non, qui ressemble à extraterrestre. C'est pas tic tic pain scrabe ça, non? Comme ça, on était là déjà, mettre quand j'étais yo. Donc, m'utiliser ça. Yo. Mais c'est avec crabe royal, pain scrabe royal, pied crabe royal, il fait. C'est dit crabe qui très long, pied mélangé. On va ajouter les calamars. Calamars, c'est espèce d'anneau. C'est un fruit de mer qu'on obtient dans le supermarché. Allez dans le rayon côté qui vend fruit de mer, on obtient. Donc les calamars, ils disent en espagnol tout. Bon, bah, je suis pour anglais, mais je suis espagnol. Mon qui chili, les calamars encore pour chercher dans la maquette. Là, je mets des huîtres qui sans coquilles. Là, mettez les bâtons, ça oui, justement les bâtons de mer. C'est un autre fruit de mer encore. N'a pas ajouté couvette yokounia. Couvette yo, on va retirer que yo, on va retirer pour yo. Non plus, c'est voulu. Parce que dans la recette ça, américain yo va retirer. Mais couvert ça ou nettoyer déjà, triple sorti, etc. On va ajouter l'angoussio. L'angoussio, on va décortiquer non plus. Ok, on va essayer de faire ça le plus possible à bas de l'eau. On va le couvrir là. Pour 5 minutes et puis tout fruit de mer yo a bien temparé. Yo pas prend temps pour le cuit. Bagay qui prend temps pour le cuit, c'est un poulpe. Poulpe bien octopus, je dis en anglais. OK, les pieuvres. C'est yo prend temps pour cuit. Même faut mettre le cuit pendant une heure de temps. En passant, me gagne un poulpe oui. Si intéressé, dis-moi fait me connaît. Je vais vous montrer comment nettoyer un poulpe et comment nous cuire un poulpe tout si nous intéressé. Fais-moi connaître. Tant pour que son pas est arrivé là longtemps, ça n'a fait, n'a juste retiré et les maillots nous mettons dans, n'a pas ajouté dans plateau A. Et puis nous allons faire troisième, nous allons passer dans la troisième phase là.
n'a pas tiré tout élément net. Là, nous retirer food merio, nous mettre dans plateau A. Kounia, nous pral faire troisième étape là. Troisième étape là, c'est on l'autre sauce nous pral faire là. N'a pété deuxième bâton de bande gain hein. C'est un plat qui est très riche. Pendant que beurre fondant, nous va le couper basique noir. On va ajouter l'ail noté réservé. Hein? On va ajouter les oignons, hein? Noté réservé. Hein? Nous allons commencer à mettre les épices. Nous allons commencer avec paprika. Nous allons réserver. Moutarde là. En poudre. Bon, si quelqu'un qui dit pas qu'à jouer moutarde là, je vais mettre le lien côté nous allons commander moutarde directement sur internet. Ça c'est l'ail. Même pas de problème encore depuis mon ingrédient, j'ai besoin. Baka jeune ni nan store bien côté miya juste commander sur internet. Internet là pour nous faciliter le bail yo. Donc nous pas besoin craindre ni peur utiliser. Et puis lien mettez pour nous c'est via Amazon. Amazon nous connaît c'est on site qui sûr qui pas gain problème. Donc nous ka utiliser carte de crédit, carte de débit sans qu'elle saute. Mettez piment cayenne noir, reste piment cayenne là. Avec piment ça tout. Poivre en poudre là. Et puis on mélange. OK. Ah oui. On a déglacé avec un petit bouillon, bouillon qui est cuit. Tout fou de mer. Déglacé, c'est les, par exemple, pour tes bagages qui tape cuit, qui tape frit avec épices, etc. Et pour vider, il y a un liquide frais sous lit. Bon, liquide frais là, pas nécessairement, on est glacé. Ok? Qu'on va chercher sucre là qui est en bas. Sucre là, c'est, contradiction, c'est tout épices ou tes météo qui était en bas pour aller en chaudière. Qu'on y a ou gratter lit ou essayer de faire remonter. Parce que toute saveur, tout goût épicé, ouais, c'est dans le fond chaud de la réalité. Et ça fait le sucre là. Alors, je vais mettre tout à l'heure là, Maggi en poudre là. Mmh.
mettez basilic en gounia. On goûte sur ça pour nous. On va mettre un petit sel. Ouais, petit point de sel nous mettons là. Ok, ça c'est bon, nous allons éteindre du feu à Rounia. Maintenant, chou noir qui t'a préchauffé, ok, nous allons mettre un plateau qui a tout fruit de mer en bas froid pour 10 à 15 minutes. Ok, mais avant, ça n'a fait, nous allons vider sous lit. Ok, ça c'est ça nous allons faire. Ok, on va vider. Sous toute composition de gain avant. Ok. Nous allons placer le foie là pour 15 minutes. Ok. Pendant l'été en bas foie pendant 15 minutes là, nous avons râpé finement le persil noir. Nous avons juste. Si maillé, percé à souli, là c'est pour le décor aussi, oui, ça va ajouter un peu de fraîcheur aussi dans le goût. Et puis on va mettre un peu de paprika, parce que nous sommes gérés cette salée, nous avons toujours rouge, et bien c'est la paprika et puis piment, on fait le rouge comme ça. Voilà. Et puis. Seafood boil noir Paris. Ça c'est bouillon qui était cuit tout ingrédients yo. Donc avec bouillon soit qu'à utiliser pour faire un paquet de l'autre recette, moi je vais utiliser pour me faire un seafood soup. C'est-à-dire une soupe de fruits de mer. C'est les asiatiques sont les meilleurs dans ce plat. Si intéressé dim pour me faire les montrer nous, sinon moi je vais le faire pour moi parce que j'ai assez fruits de mer qui était là et plus bouillon ça donc c'est pas long bagaille. Wololoy. Si intéressé, si food soup là, fais-moi connaître et puis m'a présenté nous. Voilà, vous êtes servi. Kounya là, à partir de jeudi, histoire si food barol là, pap, yon mystère pour nous, ni un défi pour nous encore. Ok? Ça caractérise tellement, c'est comme vous allez acheter ingrédients yo dans maquette, dans marché. Donc nous, c'est un bagage qui est simple, mais son plat, j'aime te dire pendant toute recette là, qui est très épicé, qui m'a dit qui doit gagner pile goût. On pas prêt en pile, on va pas parler en pile, m'a pris les cala tout de suite, viens goûter mes verres. Et mon cala sont gros fanatiques si food. Avec plaisir. Hello les amis, comment allez-vous? Yes, I do love seafood. Comment c'est pas pour me détier là? Hein, crevette là. On va bien te goûter tout, non? Pour yeah. Préférer au yo, rapide. Alors, si nous intéressés, moi j'ai un bouillon, moi j'ai un paquet de fruits de mer là. Si nous voulons, on a fait ensemble seafood soup là. C'est du soupe de fruits de mer. Mmh. C'est très goûtant, hein?
Je confirme. Le goût est très relevé. Très épicé. Bon, comme c'était voulu. Très bon. Moi, j'aime beaucoup les fruits, j'adore. Et ça va passer de mélange. Alors, vous goûtez place à déjà, non? Sûrement. Ok. Alors, mais souvenir, principalement, spécialement, mais j'imagine que oui. Ok. Et ça va passer de mélange là, de. Avec un fourré œufs, qui fourré saucisse. Les Américains, non, domaine cuisine, non, même pas vague. Rien ne m'étonne chez eux. Ok. Mais, sincèrement, ça ne me dérange pas parce que j'aime les œufs, j'aime les œufs bouillis. Bon, j'aime bien, je ne rate jamais une occasion de manger, donc j'aime bien. Par contre, ce qui ne me plaît vraiment pas là-dedans, c'est les saucisses. Je suis une trop fanatique de saucisses. Ça, ouais. Donc, je vais finir avec des saucisses. Hein, mais... goûte les calamars. Oh, première fois que je goûte, je sais pas. Ah, pardon. Je m'en prends deuxième avec plaisir. Mon c'est Dieu. Très bon, mais texture calamars, un peu comme fruit de mer. Moi, j'aime le goût. Moi, mes goûts caoutchoutchoul. Moi, mes goûts. Moi, mes goûts caoutchoutel. C'est très bon. Vraiment, il y a beaucoup de saveurs. Saveur ambiante dans tout le bagage, comme de terre, là, vraiment, presque même guacalamon. C'est très bon. Bon, tu encouragerais les gens à essayer? Ok, ben gardez, alors, moun ki la kap gade mounia la, yo gade vidéo jusqu'à kounia. Eh ben, moun ki te kapé nan gout yo, vous ratez la vie de la goûteuse. Merci beaucoup, Carla, de ton avis. Donc, moi-même là, m'pral la ite kom la nan gwo pla si foudza. Ok, donc nous-mêmes, allez essayer et puis bonne nouvelle. Alors pour matériel m'utiliser autant pour surtout food processor, m'a mettre lien Jean nous commande là dans description donc nous qu'à cliquer sur lien pour nous. Si nous voulez supporter chef là pas oublier non, cliquez sur bouton qui écrit JOIN en bas ou bien rejoindre si Bozola en français et puis choisir une dans plan. Merci pour tout monde qui fait ça déjà et tout monde qui va le faire ça et cap monde qui continuer mener mon inscrit, mener mon abonné dans chaîne là, n'avancer. À bientôt pour l'autre recette. À bon tour, n'est-ce pas, chef là? Comme si, au moins, il y a un petit peu. Enfin, un angouste. Vous campez? J'ai oublié d'écouter un angouste là. Bah, après, non? Bien fait. Oh wow, magnifique. Et langouste là, goûter comme ça, hein? Vous t'oubliez pour un langouste là? Bah c'était quand difficile, mais finalement non. Absolument pas. Eh ben là, allez, allons manger nous-mêmes. Ok? À bientôt. Qu'est-ce que vous ne vous arrêtez de dormir? Même temps, non, non, non.